Ok. Oui, Charlie. Je ne compterai pas là-dessus, mère. Oui, Charlie. Hunter, et Charlie. La barrière démonique n'est peut-être pas aussi impénétrable que je le pensais. Retrouvez-moi à la forge quand vous le pourrez. Ok, donc il faut qu'on parle à Little Estrange. Le parchemin de pouvoir nous a offert un spectacle pyrotechnique venu tout droit des enfers. J'étais en train de me dire, putain, mais Nico, elle est habillée avec une couleur claire. Mais, et du coup, après, j'ai percuté que le symbole sur son torse, bon, c'était celui de son ex. Ce qui est logique, du coup. Steve! Johnny Blaze nous met tous en danger. Je me méfie des soldats qui n'en font qu'à leur tête. Je sais que l'abbaye est un lieu magique, mais ces petites boules de lumière qui flottent dans l'air, j'ai l'impression qu'elles me parlent. Ramasser toutes les ressources à collectionner. Quoi? Quoi? Volonté de Hunter, plus 10, augmente le pourcentage de PV maximum récupéré au début de chaque tour. Et une clé arcanique. Mais attends, mais tu... Quoi? Tout? Comment ça, tout? Pour sa défense... Strange envoie tellement de directives qu'on finit par s'y perdre. Quand il dit dans l'abbaye, il parle juste du bâtiment, on est d'accord, hein? Encore merci pour les découvertes, j'ai dévoré le jeu, je viens de le finir. Ah ben. La page interdite. Ça ne m'étonne pas de lui. Si ça plaît, c'est le principal. Blaze nous a vraiment planté un couteau dans le dos. C'est comme s'il venait d'envoyer une balise surnaturelle indiquant l'emplacement exact. Vos démons intérieurs font de votre vie un enfer. Ce livre, développement personnel, vous apprendra à le maîtriser. Et donc ça, je sais pour qui c'est. Mélange enivrant d'acier, de cuir et d'huile de moteur. Photographie avancée. Livre contenant des techniques avancées pour s'améliorer en photographie. Ça, c'est pour Peter, pour le coup. Ce mec ne craint rien. Bon bah du coup... Ouais, c'est dans le bâtiment, ouais. Je ne veux pas te faire perdre ton temps, alors j'irai droit au but. J'ai surpris ta conversation avec Nico et Magic dans la chapelle hier. J'espère que vous ne prévoyez pas... Elle a installé des sceaux magiques d'écoute partout. Sauver, tu sais qui. Comment as-tu su que nous étions dans la chapelle hier? J'arpentais les couloirs et je suis passé devant. C'est là que j'ai entendu vos voix. La chapelle, elle est au fond du bâtiment? Absolument pas. Il n'y a rien d'autre? Et je suis froissé que tu baladé dans les couloirs et me suis retrouvé devant la porte. La question et réponds-moi franchement. Nico et Magic ont-elles toujours l'intention de sauver Wanda? Non. Mais vous étiez en train de murmurer, de parler à voix basse, comme si vous essayiez de cacher quelque chose. Ce n'est pas tout à fait faux. Oh. On parlait de s'introduire dans le labo de Banner. Oh, et je t'ai déjà dit non. Eh bien, peut-être que tu devrais le leur dire aussi. Elles sont persuadées que c'est une bonne idée. Oh, j'ai bien l'intention de leur dire deux mots. Mais avant que j'y aille... Y a-t-il autre chose que tu voudrais me dire? Ou me demander? Non. Je t'ai assez retenu. Je ferais mieux d'y aller. Nous reparlerons plus tard. Oh, et Hunter, merci pour ta franchise aujourd'hui. Ma franchise? De rien. Les vieux motards grisonnants, ils n'en font vraiment qu'à leur tête. Et donc là, il n'y a pas de bouboule. Attendez, me dites pas, s'il vous plaît, que... Non. Ok. J'ai eu peur pendant un moment. Mieux fait de donner la page à Lily. Je me demandais si je pouvais taguer la mission. Comme dirait Stark, la capacité du parchemin à ériger des murs de feu n'est pas un bug, mais une fonctionnalité. Elle est kleptomane, Hunter. Strange a également dit... Non, c'est chelou.
Est-ce que ça, c'est considéré comme faisant partie de l'ABI ? Je savais que les pages du Darkhold étaient dangereuses. Je ne pensais pas avoir un torrent de flammes si potentiel. Je pensais plutôt à des malédictions, tu vois. Qui tu parles, Peter ? Ok. Nickel. C'est le genre de... C'est moins compliqué que ce que j'avais en tête, du coup. Heureusement. Le parchemin de pouvoir n'est pas à prendre à la légère. Vous êtes bon. Super, merci Hunter. Hop là. Écoute Doc, alors, je crois que c'est le plan le plus fou que tu aies... Ah, Hunter, je voulais justement vous parler. Si je ne m'abuse, vous chassez souvent avec Blade. Vous devez donc être informé qu'un étrange visiteur rôde dans le domaine. Oui, le Barghest. Oui, nous avons en effet croisé un monstre que Blade a appelé le Barghest. Putain, j'avais complètement oublié le Barghest. Son instinct est bon. Je pense qu'il s'agit bien du Barghest. Ou en tout cas d'une créature qui y ressemble à s'y tromper. L'abbaye est-elle en danger ? Non, à moins que nous ne le provoquions. Cependant, il semblerait qu'il contrôle une magie noire semblable à celle de la barrière. J'aimerais que vous traquiez ce Barghest, capturez-le et ramenez-le ici, à la forge. Mais évitez de le tuer, je vous en prie. J'ai bon espoir de trouver un moyen d'exploiter sa magie pour percer la barrière qui entoure le laboratoire. On va ramener un copain pour Charlie ? Chasser un chiot dans l'abbaye, après nos affrontements contre Hydra et les déchus, ça ressemblerait presque à des vacances. Ne vous relâchez pas, Hunter. Comme je vous l'ai dit, le Barghest n'est pas un chien, mais un démon. Vous devriez demander à Blade et Wolverine de vous accompagner. Ah ouais ? Le portail est presque grand ouvert. Je vais faire de mon mieux pour le stabiliser jusqu'à ce que vous l'ayez franchi. A plus tard, Hunter. Par contre, Blade et Wolverine, ça Retrouvez fait beaucoup d'attaques. La trace de cette bête. Ça fait énormément d'attaques multiples, hein. Interface du Shield. Bon bah je vais débloquer ça. L'enfer est avec moi. Les totems mystiques qui renforcent la cour sont anciens et puissants. Faudra un immense pouvoir pour les améliorer. Par chance, nous disposons de notre propre générateur des flammes de l'enfer, la personne de Monsieur Reyes. A nous deux, nous devrions être en mesure d'y parvenir. Confère immédiatement plusieurs niveaux d'entraînement. Ok. C'est vrai, les saignements aussi, putain, j'y avais pas pensé. Comment ça va, chef ? Chute de doctrine. Parfois, je m'impressionne moi-même. Oh ! 308 ! Et du coup, ça veut dire que je peux l'améliorer ? Sachant que c'est une carte à bannissement, hein. Faut garder ça en tête, c'est-à-dire qu'on peut la jouer qu'une fois. Ok. C'est toujours un plaisir. Johnny est un Ghost Rider. On va améliorer la cellule. En mettant l'interface du shield. Ça commence à me plaire. Et donc du coup... Là je vends... Non, j'achète un noyau gamma. Quoi mais... Hein ? Là j'achète des essences d'attaque. Ah oui, non, c'est ça, ouais. Je vends, j'achète... attendez, mais du coup... Pourquoi ils parlent de vente en haut ? En gros, ils me disent que je vends des crédits pour avoir un noyau gamma épique ? Non ? Ouais, il y en avait déjà une hier de patience. C'est pour ça. Ça veut dire que du coup, je peux faire évoluer la patience. Merci, Hunter. Pour la faire passer au tiers 2. Je... C'est la première Écoutez. Fois. Améliorer les capacités du coup. Donc la patience du coup je peux passer. Donc je gagne 80 DPS. Ouais mais est-ce que j'ai...
Est-ce que je peux la jouer ? Le latin n'existait pas à l'époque. T'as vu le mur de feu ? Je suis sûr qu'il était visible depuis l'espace. Je me demande s'il formait un mot. Parce que là, j'ai la frappe gardienne, elle est forte. L'explosion sacrée, on a dit qu'elle était pas mal, mais malheureusement, il n'y a pas assez de... Putain, en fait, ça, c'est un finisher de ouf, hein. Mais il y a un bannissement derrière. Nah. Duel quotidien. Je vais faire venir Logan-san. Non, je vais filer ça. Ah, quoique, il faut qu'on améliore notre amitié avec lui. Mais pas te ménager, Louveteau. Ce que tu veux. Je vais pas te mentir, Hunter. J'ai déjà flairé ce chien démoniaque que vous traquez. Blade m'a dit qu'il vous avait filé entre les doigts l'autre nuit. Laissez-moi vous aider. Ok. C'est peut-être ça qu'il nous manque finalement. Votre optimisme. Moi, optimiste ? Je me demande si un mode full contre avec suffisamment de résistance, ce serait jouable. Je pense qu'il y a moyen de le faire, hein, avec certains persos. Cette bête surnaturelle qui rôde dans l'abbaye est insaisissable. Mais Strange est persuadé qu'elle est la clé pour... Avec certains persos et certains objets, Blade n'est pas un genre Captain America, de te voir à avec Taunt plus contre... Rusé pour vous donner autant de fil à retordre. C'est un barguest. Ça ressemble à un limier, mais ça n'en est pas un. C'est un présage de mort. Je me disais bien que j'avais senti une drôle d'odeur près de ta vieille crypte. Je croyais que c'était à cause de ta résurrection. Je ne sens pas le chien. Étrange. Je n'ai aucune idée de ce que ça peut sentir. Quelque chose comme la haine, la mort et un caveau fraîchement ouvert. Ça aurait bien besoin d'un bain. Je dois absolument trouver cette créature. Vous avez flairé l'odeur près du mausolée, c'est ça ? Voilà. Si je retourne là-bas, je devrais pas avoir problème à la retrouver. Alors, à tout à l'heure. C'est moi ou vous venez de vous inviter ? Je vais me gêner, tiens. On se voit ce soir au mausolée. Ok, donc c'est une mission de nuit. C'est bien ce qui me semblait. T'es là pour le plaisir ou pour parler affaires ? Un peu des deux, je crois. Et t'as pensé à moi ? Je t'écoute. Je viens de parler à Strange. Selon lui, le barguest a plus d'importance qu'on ne le pensait. J'ai également discuté avec Wolverine. Ça n'a pas dû être facile pour toi d'admettre que la créature nous avait échappé. Regardez le sourire derrière. Ça ira mieux quand on aura capturé cette fichue bestiole. Tu vas l'avoir, ta revanche. Le docteur a besoin de la créature pour poursuivre ses recherches. Il nous a demandé de la capturer dans les plus brefs délais. Faut toujours qu'ils nous mettent la pression, ces deux-là. Wolverine a... On dirait qu'il se fout de ma gueule. Il est derrière, genre... Ça dérange pas, j'espère. Plus on est de fous, plus on rit. Galag, merci pour les 49 fois d'abonnement. Merci à tous pour les abos et réabos ce soir. Des gros bisous, merci pour le soutien. C'est une bonne idée. Wolverine a également flairé quelque chose dans les... Non, Wolverine, il se fout de notre gueule, surtout. On se voit ce soir au mausolée. Ok. Bon. J'ai marché dans une crotte de Charlie. Selon moi, ils aiment bien les blagues sur les cacas de Charlie, hein, quand même. Avec héros des États-Unis écrit dessus, mais j'arrive pas à la retrouver. Alors je pourrais emmener Blade, le problème c'est que si Blade se fait blesser maintenant ce soir, on est dans la merde. Carol pour un artefact ou Peter. Peter, on a besoin de l'emmener avec nous à droite à gauche quand même, hein. Et Carol, bah en fait Carol et Peter, ils ont besoin de farmer. Donc dans le meilleur des mondes, il faudrait peut-être que j'emmène Carol et Peter. Putain, épique, ça veut dire que je vais me manger en renfort, je vais me manger un boss. Vous voulez parier ? Infliger 305 points de dégâts en mode binaire. Ok. Ah, j'hésite. Oh, c'est un groupe qui veut rien dire.
c'est un groupe qui veut rien dire. Oh merde. Bon bah, souhaitez-moi bonne chance. Oh non. Nous devons nous débarrasser de ce monstre. L'avantage, c'est qu'ils avaient tous des boosts en attente. Ne vous laissez pas distraire. Fastoche. Alors là, on a une propulsion rapide. Je pourrais tuer quelqu'un. Ah, dommage, trop loin. Vraiment, il est pas dans, il est pas aligné correctement non plus là. Okay. Alors voyons voir, qu'est-ce qu'on a d'autre? Attendez une minute. Et voilà. Donc, toutes les cartes sont gratos là. Ce qui veut dire que si je joue Carole, je peux pas la déplacer ici, je suppose. Non. Si je la mets là... Acceptez-vous mon étreinte? Non. Soit qu'on a fait... Amenez-vous. Je pense qu'il me déteste. Alors le tweep, ça fait une entrave, mais est-ce que j'ai vraiment envie de l'entraver? Il me reste qu'une action, faut que je fasse attention. Là on a une propulsion rapide. Bon bah la musique la musique elle a décidé qu'elle voulait s'arrêter. Attention, ça va devenir anxiogène très vite. On va se... C'est donc ça le secret. Attendez, bougez pas. J'arrive. Voilà. Ah ben la musique est revenue. J'allais mettre ma propre OST là et faire mes blagues, mais bon bah visiblement. Hein. Alors, je peux balancer des trucs. Trop loin. Toi, je peux te tuer. On dirait que c'est à moi de jouer. Alors j'ai des frappes successives, c'est très bien, parce que ça me permettrait de détruire ces deux-là. Mais malheureusement, je pense que je vais avoir du mal à clear les totems qui sont là. Hein. Hmm.
Est-ce que j'en profiterai pas pour le tuer lui, histoire qu'il m'attaque pas? Est-ce que je pourrais pas utiliser ça ici? En charge. Et du coup, utiliser avec Nico ça là. Regardez bien. Ça veut dire qu'il nous reste quand même un des monolithes là. Ici, mais je peux pas y faire grand chose, donc. C'est le début de la fin pour vous. Mon but. Putain, lésion, into corruption, vraiment. Mais foutez-lui la paix! Oh, qu'est-ce qu'elle a pris dans la gueule, la pauvre! C'est quand vous voulez. Ok. Est-ce qu'on joue sur la RNG? J'en ai tué un. Donc là, j'ai les seins. Je permettrai de tuer ça. Circulez, vous faites pas le poids. Et donc, il me reste une action. Parce que le problème, c'est que là, même en poussant la bestiole, je peux pas la buter. Considéré comme une attaque directe. Oui. Merde. Non, non. En fait, l'action de pousser, ça fait pas de... Ça fait pas de dégâts. Là, j'ai reçu des dégâts. Je devrais être libéré. La mission secondaire que j'ai, elle concerne Carole. J'arriverai jamais à faire les dégâts qu'il faut que je fasse avec... Ah donc la corruption l'a bel et bien libérée par contre. Ça c'est cool. Aussi étrange que ça puisse paraître, je crois que je suis paralysée. Une provocation rapide.
train de regarder dans quel sens je peux le faire. Pas de problème. Ça, je me rends compte. L'argent d'Hydra n'a pas d'odeur pour un mercenaire sans scrupules. Il lui reste une action pour passer binaire. Voilà. Je pourrais utiliser les seins pour détruire ça. Non, le gros là, pardon, celui-là. Est-ce que ça rembourse mon action si je fais ça? Normalement, oui, hein. Là, je pourrais la faire passer binaire. Donc ça marche. C'est gratos. Et donc l'idée, c'est... Toi tu vas attaquer Nico, toi tu vas attaquer Spider-Man. Je vais faire des repioches. Ok, qu'on fasse un contre et une guérison. Carole, elle fait un peu la gueule, mais il n'y a personne qui va l'attaquer. Lui filer un contre à lui. Je préfère pas savoir ce qu'il y avait dedans. Et donc là, avec les trois que j'ai, oh, ça marche, génial. Il reste celui de derrière là, mais malheureusement, je peux pas y faire grand chose. Combien de vie il lui reste à elle? 27. Putain, si on avait pu détruire ça du coup. Mais on peut détruire ça, qu'est-ce que je raconte? Elle est morte là. Et c'est parti. Vous avez réussi. Nickel. Beau travail. J'avais complètement oublié celui qui était derrière. Chose de fait. Donc du coup, on va pouvoir aller chasser le Bargeist. C'est vraiment cool qu'on soit pas obligé d'emmener Hunter en mission avec nous aussi. Par contre, on a une assemblée des émaux qui est en attente, on a le club de lecture qui est en attente, mais vu qu'on a des missions toutes les nuits, bah du coup, on n'a pas vraiment la possibilité de... Regardez-les, tous les trois, ah, ils sont là, du coup. Toute cette histoire, ça m'a donné envie de former ma propre équipe. Spider-Man et ses potes sensationnels. Ah non. Compère stupéfiant. Ah. Ok, bon. Tu sens ça, Hunter? Quelque chose cloche. Il y a une bête dangereuse dans le coin. Et je parle pas de toi, bien sûr. Ah, parce que je sors de mon bain, quand même. C'est là, l'odeur que Blade essayait de suivre. Blade, hein? Ah oui. Il a le nez creux pour ce genre de truc. Mais pas autant que moi. Tu m'aides à la débusquer?
Bah, let's go, mais j'aimerais bien que Blade vienne avec nous, quand même. Dak, j'aime ce que j'entends. Prends ton chien et suis-moi. Non mais attendez! Mais... Et Eric, alors? Où est-ce que t'as trouvé ce chien, au fait? C'est dégueulasse! On voit pas souvent des comme ça dans les refuges. C'est une longue histoire. On a le temps. Quand j'étais plus jeune, Lilith envoyait régulièrement ses enfants attaquer les défenses de l'abbaye. Je m'entraînais avec Agatha et Caretaker en éliminant tous les monstres qui traînaient autour du périmètre. Un jour, une meute entière de chiens de l'ombre a essayé de passer le portail. Ils n'avaient aucune chance contre nous. Et quand la fumée s'est dissipée, il y avait Charlie, la seule survivante. Tu n'avais pas le cœur à finir le travail ? Je ne sais pas ce que c'était. Quelque chose dans le regard qu'elle m'a lancé. Je ne pouvais pas m'y résoudre. Elle a Mais dormi au pied de mon lit la nuit suivante. Ne me tue pas. Je dirais que t'as trouvé une amie pour la vie. Ok, Strange, il a dit qu'il maintenait le portail ouvert, hein. Le portail est resté ouvert cette fois. Ouais. Ah, ce qui veut dire qu'on va... Attendez, on va faire la mission avec Charlie, on Logan aller et... On le cul. Bravo. Ah. Depuis quand t'es là, au Assez longtemps pour voir cette chose vous filer sous le nez. Et du coup, tu préfères bouder dans ton coin ou tu viens nous aider? Je manque la salle pour rien au monde. Ah bah let's go. Bon sang, la chose s'est échappée. Tu penses à ce que je pense? Ok, suivre le Bargeist. Hunter, attendez une minute. Qu'est-ce qu'il y a, docteur? Ce portail ne va pas rester ouvert très longtemps. La créature que vous chassez, je crains qu'il ne s'agisse d'une expérience d'Hydra. Voire pire. Le Barguest? Je pensais qu'il s'agissait d'une créature mythique. J'ai du mal à croire que cette bête sorte des pages d'un vieux livre. Non, il y a une autre explication. Nous avions l'intention de l'abattre. Visiblement, ça nous emmène au limbe, hein. En fait, j'aimerais beaucoup que vous me l'apportiez vivante. Elle pourrait nous apprendre énormément de choses. Je ne peux rien vous promettre, docteur. N'oubliez pas qui sont mes partenaires de chasse. Il est vrai que vous ne manquez pas d'ardeur, surtout Wolverine, mais faites de votre mieux. Ok. Je me demande si on a vraiment le choix ou si le scénarium va nous forcer à... vaincre le Barguest. Les revenants de Lilith contrôlent le Barguest, éliminez-les ainsi que le Barguest pour mettre un terme à la chasse. Conseil. Les revenants et les ennemis bénéficiaires d'âmes liées ne seront véritablement vaincus que s'ils sont tous éliminés durant le même tour. Ok, donc ça, c'est l'introduction aux premiers ennemis qui sont censés être liés, qu'on avait déjà croisés pendant les épreuves. J'en étais sûr. Hydra. Je savais bien qu'elle se cachait derrière tout ça. Les pistes convergeaient vers elle. Vous voulez dire que notre créature légendaire, c'était juste ça? Au moins, on est fixé maintenant. Alors, voyons voir. On pourrait jouer Berserk. Une provocation à tous les ennemis présents dans une zone. Ça me plaît énormément. Donc ça, c'est rapide provoquant. Donc on va dire que je peux me déplacer jusque là-bas, le buter lui. J'en ai assez d'attendre. Je parie que ça faisait mal. Donc, l'odeur de la peur ou Berserk en premier lieu. Exactement ce qui me fait. Ouais, la ligne, les carrés au sol, c'est pour m'indiquer que juste au-dessus, il y a un truc que je peux leur faire tomber dessus. En effet. Alors, voyons voir. Toi, into toi. Pas de chance, mon pote. Vous ne briserez pas notre part. Donc là, du coup, ils sont provoqués, donc ils vont m'attaquer, moi. Ça m'a pas remboursé? Le fait de tuer un merdoum comme ça, ça m'a pas remboursé? Ah. Chiotte.
Le pixel. Yes. C'est moi qui prends le plus moche. Y'en a un qui approche. Du coup, vu que je les ai provoqués, eux, ils m'attaquent tous maintenant. Ok. La question que je me pose, c'est... Est-ce que j'ai la possibilité... avec Hunter... de tuer un Bargeist? Enfin, un chien démoniaque? Elle peut pas récupérer l'objet. Ah. Ok, donc ça c'est bon. Assez de points pour lui sauter sur leur... Oh, j'avais pas vu ses PV. Oh, 1113. Eh ben, tout à fait, allons-y. Est-ce que je peux jouer avec le décor maintenant ou est-ce que vaut mieux que j'attende quelques... Là, j'ai un déplacement possible où je pourrais pousser potentiellement quelqu'un. Ah, dommage. Je le touche pas. Ah, si je fais ça, je fais péter Eric. J'allais dire, j'aurais bien fait péter le baril explosif ici. Ah, dommage. Okay. Donc, comme on l'a déjà vu pendant qu'on faisait la quête, l'intérêt de leur faire baisser leur vie à eux, c'est que leur vie a tendance à s'équilibrer au moment où leur tour commence. Joli. Le fait que je fasse un contre me permet de récupérer de la vie ou pas du tout? Il faut lui venir en aide. Littéralement toute la planète qu'il a attaqué, le pauvre. Je suis parfaitement conscient que vous n'êtes pas du genre à retenir beaucoup, mais essayez quand même de me ramener cette créature en un seul morceau. Je vais avoir besoin de l'étudier. Ça ne dépendra peut-être pas de nous. Cette chose commence à s'énerver. Promets rien. Alors voyons voir, ça va attaquer Blade. Hunter. J'ai une idée. Je sais pas si je vais réussir à la mettre en place, mais j'ai une idée. Non, j'arriverai pas à la mettre en place. À moins que... Si je prends Blade, je le fais courir jusque là pour la pousser, elle, sur le poteau. Vous perdez un temps. Je joue fortification. Donc
shield est contre. Explosion sacrée, du coup, est-ce que je peux toucher quelqu'un ou est-ce que je rêve les yeux ouverts? Non. C'est pas... non, pas de pixel magique ce coup-ci. À moins que... pause. pause. Enchaînement. 1, 2, ah trop loin. 1, 2, 3. J'espère que je le ferai. Ça, c'était quelque chose. Du coup, explosion sacrée, et là je touche les trois. Glenatorius, bienvenue. Ok. Bon. Je suis en train de voir si je peux pas faire tomber quelque chose, mais... non. Notre récompense est à portée de main. Nous ne pouvons plus... Le problème, c'est que j'ai l'impression... Je pense que Logan va encore crever, là. Hein, vu qu'il y a tout le monde qui va l'attaquer. Leur sang. Je suis... 121, elle m'a mis... Après, la mission, elle consisterait pas à tuer le Bargeist. Parce qu'il... non, il nous demande bien de vaincre tous les ennemis. Hydra semble avoir la ferme intention de protéger le Bargeist. Je pense que ça nous donne déjà une bonne idée de sa valeur potentielle. Okay, peut-être bon. Qu'Hydra ne nous aime pas, tout simplement. Et que le chien n'a rien à voir là-dedans. C'est Tony qui t'a soufflé ça? On va les faire saigner. T'interroges-tu réellement sur cette possibilité sauvage? Je suis juste là pour m'assurer qu'aucun chien innocent ne soit blessé à cause de vos théories. Oh. Je suis en train de voir, parce que là le problème c'est que si vous regardez l'ordre d'attaque, ça va, elle va attaquer Wolverine, à elle toute seule elle le tue, et elle va attaquer Wolverine aussi, elle va le buter. Maintenant la question c'est, est-ce que ce serait pas possible pour l'un d'entre vous de pousser quelqu'un dans le vide? Je pense pas. Si je joue Logan, et que je la pousse, elle, du coup... Du coup, on est d'accord qu'on l'a blessé ce tour-ci. Ce qui veut dire que je peux jouer ça, la finir directement. Admirable. Est-ce qu'elle garde le saignement? Parce que là, elle va pas mourir, on est d'accord. Est-ce qu'elle garde le saignement ou pas? Non, elle garde pas le saignement. Bon, je peux jouer une action et en finir une bonne fois pour toutes avec elle, comme ça on n'en parle plus. Ou alors, on fait d'une pierre deux coups. Ah, ça suffit pas. Vraiment, ça marche pas si je fais ça. Je suis dégoûté. Ah, dans ce cas-là, on va sauver Wolverine, hein. Oh non, ça la tue pas non plus. Wow. Je suis emmerdé, là.
Au moins, là, elles sont mortes toutes les deux. J'en connais qui ont toujours rêvé de faire ça. Mais ça va pas régler mon problème et je pense qu'il y a de très fortes chances pour que Wolverine meure ce tour-ci. Pour de bon, cette fois-ci. Un niveau de difficulté ou ça augmente avec le temps? Alors oui, il y a un niveau de difficulté. En fait, les missions, c'est ça qui est plutôt rigolo. Les missions, elles ont un niveau de difficulté qui est fixe. X mission est considérée comme étant facile, la mission Y est considérée comme étant difficile. Mais toi, tu emmènes avec toi le niveau de difficulté global des ennemis. Je ne sais pas. Donc en gros, là où la difficulté de la mission va définir des événements que tu vas rencontrer pendant la mission, en gros, la difficulté que tu emmènes toi quand tu vas faire une mission, elle définit des points de vie des ennemis et ce genre de trucs. Objet, j'ai une potion et une plume de phénix. J'ignore ce que Tony a raconté à tout le monde, mais le Barguest est un esprit de mort, une entité démoniaque qui a probablement ôté la vie à de nombreux innocents à travers les siècles. Vous savez ce qu'on dit, il n'y a pas de mauvais chien, seulement de mauvais maîtres. Oui. Je pensais que vous, au moins, auriez compris la vraie nature du problème, Logan. J'hésite. J'hésite parce que je pourrais utiliser la plume de Phénix. Ça me ferait économiser 2 d'héroïsme. Donc là, la moitié de mes PV sera transférée sur Logan. Avec suffisamment de temps, je me serais soigné tout seul. Rajoute à ça le fait que je peux utiliser une pommade sur elle pour la soigner encore plus. S'attendent sûrement pas à ça. Et je voulais... J'hésite. Est-ce que j'utilise l'étincelle sacrée sur elle pour lui enlever la corruption? Je pense que c'est pas mal. Hein. Ça va d'ailleurs faire... Ça va jouer au niveau de notre collier, accessoirement. Vous ne les voyez peut-être pas, mais vous avez de gros ennuis. Vous ne le savez pas encore, mais vous êtes déjà mort. Salut, toi. T'arrives au mauvais moment, mais écoute. Ouvrez grand les yeux. Tant que ça fonctionne. Que j'utilise la frappe gardienne. Putain, il va quand même invoquer son portail avant. Et en plus, ils sont tellement mal placés que je peux même pas les pousser dans le vide. J'ai vu ce genre de technique il y a des siècles. On est d'accord que je peux pas te tuer même avec ça. Après, je pourrais la tuer... avec le balayage. Se ferme. On aimerait bien en avoir un peu, nous aussi.
Je me suis remboursé. J'ai un point d'action en plus. Est-ce que j'utilise la frappe gardienne? Attendez, qui va attaquer qui? Ah ouais, mais tout le monde veut attaquer Hunter en fait. Je vais reroll cette carte là. Ah, oh, la vire-lame. Ok, bah je vais m'asseoir là-dessus. Rien fait ? Oh oui, à cause de la parade. Ah, je me posais une question concernant Vulverin, les griffes en os sont canoniques ou non ? Oui. L'adamantium, il a juste été posé sur son squelette. Donc, ils étaient là avant. À ce stade, j'imagine que nous avons tous assez vu le Barguest en action pour savoir de quoi il est capable. Il est un peu méchant, mais pas plus que les autres. Oui. J'attends toujours d'autres propositions pour franchir la barrière. Si quelqu'un a une solution qui n'implique pas le Barguest, je suis tout oui. J'aimerais bien générer un peu d'héroïsme, mais je sais pas dans quel sens je pourrais gérer ça. Je pourrais le pousser lui déjà pour commencer. Alors attendez, je peux faire ça et me rembourser mon action si j'arrive à taper assez loin. Ah putain, ils sont trop loin vraiment. Rien qui va. Blade, Wolverine. Logan, il meurt. Hein. J'ai encore une repioche. Ah, je sais pas. Ok. 1, 2, 3. Vous avez la langue bien pendue. De chance. Ah non, ouais, mais les animations, elles sont génialissimes. Hein. 41% de chance, est-ce qu'on prend les 41 ou pas, hein? J'ai tué le Barguest? Non, clairement pas, non. Le Barguest, il est là, avec ses 620 PV. En fait, la question, c'est est-ce que j'essaie de le jouer maintenant qu'on est passé à 64% et j'économise de l'héroïsme, ou est-ce que je joue le pieux pour voler de la vie, me soigner, en sachant que c'est Wolverine qui va se manger les autres attaques. Putain, j'ai envie d'être joueur. Nice. Parfait. Grossier, mais efficace. C'est pas moi qui ai pris l'aggro ? Bon bah Logan, adieu. Je suppose. Pour la deuxième fois, en sachant que je vais encore pouvoir le ressusciter une troisième fois. Le pauvre. Notre acolyte est à terre. Pas eu assez, on dirait.
Ok. Pourriez-vous avoir l'amabilité de vous remuer un peu? On fait de notre mieux ici, Doc. Comme vous le dites si bien, il s'agit pas d'un chien. Tu vas te calmer ou comment ça se passe? Ils vont passer un sale quart d'heure. Et donc toi, je te réanime. Maintenant. Je te soigne. Même lui, il en a plein le cul. Contemplez les je viens de percuter. Même lui, il en a plein le cul. Et combien de toi, combien de fois maintenant que tu me ressuscites, putain de bordel de merde. J'en ai marre, tu comprends? Marre. Lo, bienvenue. Provocation à tous les ennemis présents, plus contre. Ça sent le roussi. Impressionnant. Je n'ai plus d'action, donc je peux pas jouer ce que je voulais. Couchez le chien. On pourrait jouer le courroux, mais pas maintenant. Tout va bien, ouais. Ah oui, le contre. J'avais oublié. Oh, c'est si bien résistant ces contres là. En fait, le fait que je l'ai soigné lui a apporté de la résistance, et le fait qu'il est taunt lui a apporté des contres. C'est extrêmement fort, en fait. Lui en êtes fou, lui en rit. Ok. Je pourrais jouer le veau de lune. Et pour que ça ait vraiment du sens, il faudrait que je puisse propulser... Attendez, est-ce que le courroux, il compte, là? Attendez. On compte. 345 points, plus saignement, ok? L'avantage est de mon côté. Ah oui, il était déjà critique, du coup. En fait, je sais pas s'il faut... Le jeu me dit pas qu'il faut pas qu'on le tue, en fait. C'est ça qui me trigger légèrement. On va voir. Là, je peux faire une éviscération. J'allais dire une éviraination. C'est pas trop. En plein dans le mille. Les gars. Avec moi. L'ombre et lumière, c'était tellement classe. Tu vois, pour répondre à la question que je posais tout à l'heure, la mission était considérée... Ah non, celle-là, je sais pas exactement. Mais moi, là, je suis en héroïque 2. En sachant que je peux monter en héroïque 3. Et ce que ça va changer, ça va changer les récompenses, les PV des ennemis qui seront plus importants, les attaques des ennemis qui seront plus puissantes, le nombre de réanimations qu'on peut faire en fight, et l'XP et le gain d'éclat qui sont apportés derrière nous. En gros. Bon, là, il se relève pas, hein, le Bargeist, on est d'accord? Ah si! C'est du scénarium. Vos pouvoirs ont beau être immenses, docteur,
Je suis impressionnée que vous ayez réussi à maîtriser le Barghest. Sa capture était tout aussi impressionnante, Hunter. Compte tenu de son état, je pense que nous pouvons garder la créature ici. Qu'est-ce que vous allez en faire? En premier lieu, il va falloir transporter la bête jusqu'à la forge. Une opération délicate dont je compte m'occuper personnellement. Revenez donc demain avant que je commence mes recherches. J'aurai plus d'informations à vous donner. Ok. Eh ben, vous avez vu les dents de ce truc? Waouh, impressionnant. Dommage qu'on puisse pas l'entraîner. Patience. Si on est assez désespéré, je suis sûr que quelqu'un va essayer. Ouais, complètement, les gars. Ce truc en vie, dans ce cas. Les propriétés matérielles de la peau de l'animal sont étonnantes. Ah, j'ai l'impression de parler à un tueur en série. Nous devons comprendre comment Hydra a été capable... Le jeu est cool quand même, un héros éliminé 1, ça prend pas en compte plus le fait qu'il soit tombé plusieurs fois, ouais. Je serais tenté de te dire heureusement, parce qu'il y a certains personnages qui tournent quand même autour d'une mécanique de mort assez, assez imposée, donc... Ok. Kersefi, bienvenue. Ça fait du bien de cogner des membres d'Hydra, mais on dirait qu'il y a anguille sous roche. C'est une anguille noire et rouge, mais il y en a bien une. Bon, bah écoutez, on est bon, hein.